Voyez-vous ça. Incroyable. Mais qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait du tout. Dis pas qu'il n'y a plus de batterie. Oh, ça craint. Je commence à y voir plus clair dans cette conspiration. On doit retourner à l'aéroport. Et vite. Hé, mais attends. Y a personne. Même l'autre équipe a mis les voiles. Qu'est-ce qu'on fait encore là? C'est bon. J'ai un plan de secours. Je peux nous faire rentrer avec un PDA. Eh ben pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Si ma théorie est juste, alors la vérité, c'est que Veltro est... C'est trop tôt. Tu te fous de moi, là? Évitons toute conclusion hâtive. Il me faut plus d'infos. Ok, trouvons cet ordinateur. Il y a une zone qu'on n'a pas explorée par là. J'espère juste qu'il a un processeur super puissant. Ce sera le pied. Une arme biologique. Je savais que Veltro était dans le coup. Ouais, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quoi? On s'en fout! Allez, tire, bon sang! Si Veltro est revenu, c'est pour se débarrasser de quelqu'un. Il devait faire le ménage. Non, non, c'est pas le moment d'inventer une théorie du complot. J'arrive pas à y croire, c'est un vrai MB-28 ? Grinder, c'est ce dont j'ai toujours rêvé ! Pire qu'un gamin dans un magasin de jouets. C'est qu'un ordinateur. Ok, passons aux choses sérieuses. Mais... C'est quoi ce délire ? Il se passe rien ! Qu'est-ce que t'as fait, Quint ? C'est pas moi ! Il faut plus de courant ! Le MB-28 suce un max de jus. Il doit y avoir un générateur dans le coin, j'en ai besoin. Ok,
Reste là et prends du bon temps avec ta petite copine. C'est parti. J'espère que cette vieille carcasse rouillée va marcher. Y a pas assez de jus pour recharger le MB-28. Y a pas d'autres générateurs? Ok, puissance max, lancement de l'analyse. Tu trouves quelque chose? Non, je dois d'abord craquer les codes de cryptage de ce truc. Mais ça ne devrait prendre que quelques minutes sur mon petit NB-28. Et Grinder! Je m'en charge. Je vais leur régler leur compte. Qui nous suivent depuis le début. Je crois que le FBC n'a pas aimé l'accès non autorisé. Le FBC? De quoi tu parles? Je pirate leur serveur secret. Je les ai trouvés en inspectant l'avion. Et cette attaque prouve qu'ils sont impliqués. Ah, je ne plaisante pas! Laisse-moi juste le temps de découvrir le poteau rose. Combien de temps? Voyons voir, j'en suis à... 28%. Ta copine est sacrément lente, tu le sais, ça, Quint?
Quint, ça a marché? C'est reparti? Ouais, nickel, merci. On est à 54%. Ok, continue comme ça, mon vieux. Ça grouille d'ennemis aujourd'hui. Merci pour l'info, j'avais pas vu. Mon intrusion dans le système a dû donner l'alerte. Essaie de les retenir. Ok, mais tu vas avoir une sacrée dette. Combien de temps? Ça commence à sentir le sapin, là! On a dépassé 80%! Ça y est, presque! Encore un de ces monstres invisibles! Garde-le à l'œil! Enfin, sois prudent! Merde! J'en connais plus d'un qui serait en train de pleurer! Mais on a encore des ennemis sur les bras. Ils ne doivent pas s'emparer de ces données. Bonne chance. Merci. Je vais en tuer pour toi. Ouais, et faites pas de cochonneries pendant mon absence, hein. Ok, je pense qu'on peut regarder ces données maintenant. Prêt? Attends un peu. J'arrive dans 2 secondes. Je vois, je vois. Ça explique tout. Ça explique quoi? Qui est derrière Veltro? Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. On va lui demander. Hey, ici Fork Ball. O'Brien, j'écoute. Hein? C'est quoi ce bordel? C'est O'Brien qu'on cherche? Directeur O'Brien, je crois que j'ai tous les éléments. Veltro n'a jamais repris ses activités. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous-même. Vous avez fait revivre Veltro. Tout ça pour faire réagir une certaine personne. Ah, vous avez tout compris. Vous méritez vraiment votre salaire. J'ai analysé les journaux, chef, et j'ai trouvé un truc intéressant. Faites-moi voir ça. Oui, chef, je vous l'envoie immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe? Erreur de connexion? Ah, on s'est fait repérer! Deux hommes qui en savent trop, recherchés mort ou vif. Exactement comme dans le jeu du micro. Tu veux crever avec tes machines, imbécile? Ah! Non, attends, j'y suis presque! Quint! Kiss! C'est un désastre.
voilà le virus. On doit empêcher le virus de se répandre. Oui, le système de contrôle doit être dans le labo. Chris! Je crois que c'est le système de contrôle du labo. Ça marche? Il nous faut le code d'accès pour activer l'agent neutralisant. Ok. Je vais fouiller le labo et voir ce que je trouve. Parfait. Il faut un peu de temps pour comprendre ces commandes. Thank you.
craquer le code de la porte. Je l'ouvre. Sois prudente. Ok, je vais faire attention. Je t'avais dit d'être prudente. Qui sait à quel genre d'arme biologique on a affaire? Thank you.
Chris, écoute un peu ce que je viens de découvrir. Morgan Langdale du FBC est à l'origine des attaques sur Terra Grigia. Alors voilà de quoi Raymond parlait. On dirait bien. Mais j'ai pas trouvé de preuves directes. Rien qui puisse le faire tomber pour l'instant. Tout va bien? Ouais, pour l'instant. Jill. J'ai le code d'accès. Bien joué. Neutralisons ce virus maintenant. Autorisation confirmée. Lancement du programme de neutralisation du virus. Félicitations, BSA. Vos activités ont été révélatrices. Morgan Langdale. Je savais qu'O'Brien et son chien Raymond mettaient leur nez dans mes affaires. Mais j'ignorais que vous étiez aussi de la partie. Ça a été ma seule erreur, d'ailleurs. Alors c'était vous. Vous avez attaqué Terra Grigia. Jill, attention! On dirait que mes erreurs vont disparaître après tout. Vous êtes des passagers clandestins sur le Queen Zenobia. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous regarde mourir.
neutralisation du virus terminée. Ah, j'aurais dû m'y attendre de la part des agents qui ont fait tomber Umbrella. Malheureusement, vous n'en avez plus pour longtemps à jouer aux policiers et aux voleurs. J'espère que vous comprenez à quel point la situation est grave pour que j'intervienne personnellement. J'ai un très gros défaut. Certaines choses me dérangent, même minuscules, et je dois éliminer la moindre imperfection. Le BSA, ce cher directeur O'Brien, toute votre organisation, vous n'avez apporté que des ennuis. Vous n'imaginiez quand même pas que j'allais vous laisser fourrer votre nez partout. Ne soyez pas stupide. Regardez. Votre destin est entre mes mains. C'est pas vrai. Le Queen Zenobia.